c'est arrivé un peu plus vite, un peu plus fort, avoir la tête plus ou moins bien placée. Si je peut-être j'étais arrivé, j'avais positionné ma tête différemment, enfin ça tient à rien quoi. J'avais eu un accident donc le 26 mars 2000 dans un match de championnat classique quoi à Castres en l'occurrence voilà, j'ai subi un choc frontal suite à une percussion et j'ai eu un hématome à la moelle épinière qui m'a rendu tétraplégique pendant plusieurs mois et puis bon après petit à petit j'ai retrouvé, on peut dire, une bonne partie de mes moyens, quoi. J'ai eu ma photo là devant le stade pendant 3 mois à peu près, un 4x3. Et Jeannot sera toujours là. Jeannot, on t'aime. Et puis, un an ou 2 ans après, il n'y avait plus personne, quoi. Merci, au revoir. Et puis démerde-toi, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Hein, voilà, quoi. C'est pour ça que le club, il faut pas attendre grand-chose quoi, quand on a ce genre de soucis, quoi. Je trouve que c'est vraiment de l'hypocrisie et tout, parce que bon, la famille du rugby, il n'y a pas de famille du rugby, moi, ma famille, elle est là, c'est fait pour moi, quoi. Après, bon, s'il y a des gens qui considèrent que leur famille, c'est le rugby, j'ai envie de dire tant mieux, mais enfin, je les plains aussi, quoi, parce qu'à mon avis, ils peuvent aller au-devant de grandes désillusions, quoi. Parce que moi, pour moi, la famille, c'est les gens qui sont tout le temps là, c'est pas les gens qui sont là parce que vous jouez au rugby, parce que vous jouez plus ou moins bien, ou parce que, voilà, quoi. Moi, ma famille, c'est pas le rugby, j'ai des amis, j'ai des gens que j'apprécie dans le rugby, mais je pense qu'il faut pas tout mélanger.